ici Robin Tremblay d'Hypoxy Solutions Décor. Alors aujourd'hui, on est au parc de la caverne du Trou de la Fée à Debien. Alors on va vous montrer les étapes pour faire un plancher vraiment sacoche. La première étape, en fait, c'est la préparation. Peu importe la qualité des produits, si on n'a pas un bon meulage, c'est ce qui peut permettre aux produits de lever. Alors, on voit ici le gras du béton, alors qui est complètement enlevé, il est complètement meulé. On a ouvert les pores du béton, permet justement à l'hypoxy ou au polyuréthane de pénétrer dans le béton. Les machines sont utilisées au diamant. C'est vraiment des machines qui sont vraiment pesantes, en fait. Et on voit les diamants ici, sans poussière. Tout est aspiré par les aspirateurs. Notre priorité est la satisfaction du client et c'est pour ça qu'on utilise seulement des produits de haute qualité. Un plancher commercial, c'est ce qu'il y a de plus économique, résistant et ce qui fait un plancher unique comme on voit ici. Et je veux remercier le parc La caverne du Trou de la Fée de nous avoir fait confiance pour ce beau projet dans notre région.